La sixième réunion des ministres en charge de la sécurité des 08 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Union économique et monétaire de l'Ouest africain, s'est ouverte ce 10 septembre 2021 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Présidée, le ministre togolais de la Sécurité, général de brigade Damamiark, cette session de leur instance a prévu entre autres l'examen des projets de feuille de route actualisée de l'accord cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignement entre les États membres de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, du rapport sur la paix et la sécurité dans l'espace Union économique et monétaire de l'Ouest africain pour le second semestre 2020, ainsi que du rapport de l'étude pour l'élaboration d'un cahier des charges pour l'informatisation et l'interconnexion des postes de police frontaliers. Le contexte sécuritaire dans l'espace Union économique et monétaire de l'Ouest africain reste marqué par la persistance des attaques terroristes, de la criminalité transnationale organisée et de la prolifération des armes légères. Cette rencontre ministérielle a été précédée d'une réunion préparatoire des experts qui a eu lieu du 7 au 9 septembre 2021 à Abidjan.